Bon, bah écoute Shirley, pour démarrer l'accompagnement, je vais t'expliquer un peu quand même en quoi mon rôle consiste. Mon accompagnement, c'est déjà un soutien à la correction et à la relecture de ton dossier, avant tout, hein. Techniquement, je vais à chaque envoi, à chaque rendez-vous, bah, reprendre ton travail, me permettre de corriger les erreurs d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, tout ce qui fait que bah, ça puisse être bien lu. Et puis, mon rôle, il va un peu plus loin. Il va aussi, je dirais, des fois dans le soutien moral ou dans la motivation, hein, de pouvoir savoir que quelqu'un est là derrière toi pour ton accompagnement de VAE. C'est aussi des éléments de méthodologie. Voilà, comment D'accord. respecter les attendus du jury, les principes des livrets 2 qui sont un peu différents selon les différents certificateurs. Donc l'accompagnateur, il a tous ces rôles-là. Alors, l'accompagnement VAE, il est essentiel quand vous êtes à l'étape du livret 2, parce qu'on pourrait croire comme ça que c'est simple de décrire son activité, mais pas du tout. Fred, il est là pour m'accompagner, me soutenir, parce que c'est vrai que je suis arrivée à une étape où ça devenait très compliqué d'allier le référentiel avec mon activité. C'est des termes que j'utilise pas au quotidien et il a traduit ce référentiel pour moi. Donc j'en suis très contente et j'ai eu ce déclic qui du coup va me permettre d'avancer beaucoup plus rapidement.